Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous vous attendiez à ce match? Moi, je dirais que oui, parce que quand même Clermont-Castres, c'est deux équipes qui ont quand même de très grandes chances d'aller en phase finale. Sur qui on voit plus clairement, mais à l'heure actuelle, clairement, ils sont pas dans les 6 premiers. Hein. Oui, non, ils y sont pas, alors que Castres y est plutôt bien installé, je crois. Donc voilà, ça devrait être intéressant maintenant à Clermont. Clermont va même être motivé pour aller chercher le bonus offensif, je pense. Ça devrait être assez intéressant. On va jouer avec Clermont, parce qu'on ne peut jouer que les équipes à domicile dans ce jeu. Mais de toute façon, les notations, elles sont de 79 pour Clermont, 77 pour Castres. Donc ça devrait être assez serré. À peu près. Assez serré. On va vite fait regarder. Bon, on va essayer d'être réaliste. Camille Lopez n'est pas là, ouais, mais en même temps, ils ont tous leurs demi-ouvertures blessés. Ils sont un peu. Ils mettent tout et vent en ce moment, je crois, en demi-ouverture. On va faire comme ce qu'ils font. Penaud est blessé. Voilà. Après, Stuetelna, Keita, si. La Mera, Fofana, Ben Danone. Bon, ça tient debout. Ça tient debout, on va dire. Allez, on va laisser comme ça. Saraka, Julie, Kaiser, Chaume, va amener. Ouais. Allez, on va laisser comme ça. Donc je sais pas ce que sera l'effectif castré. Nous on y va dans le match. On va répondre aux questions. D'abord, quel est le nouveau nom de l'International Rugby Board? Je crois que c'est. Ah non, c'est World Rugby. C'est Y, je pense. C'était World Rugby. Quel est le nom du stade national d'Italie? C'est au. Olympico. Stadio Olympico. Bon. Et bien écoutez, on va essayer de jouer avec Clermont à peu près correctement. Dans ce jeu sur rugby 18, là, le dernier match, on avait joué Toulouse. Face à Toulon, on en avait perdu. Après, Toulouse avait une moins bonne note. Mais. Allez. Ben Danone, faut. Non. Non. Mais c'est qui ce joueur là? Non mais. C'est. C'est Rory Cocotte ça qui a fait ça? Non mais. Ah ben ça pouvait pas plus mal commencer. Mais il a. Oh. Cette toupie elle est tellement bête. Comment ils ont pu installer ce système en mode constant? Je comprends pas. Vraiment. Les développeurs, des fois, tu te demandes ce qu'ils ont dans le ciboulot ou en fait. Est-ce qu'ils regardent du rugby? Est-ce qu'ils voient ça? Mais cette toupie, tu ne la vois même pas une fois par match. Donc il y a un moment où tu peux pas le mettre hein, avec comme si c'était le move le plus régulier du rugby quoi. En fait. Tu fais plus ça que des raffus ou des crochets dans ce jeu. Enfin bon, on va pas commencer à rager. On va essayer de se relancer après un début de match catastrophique. Moi, je vais vraiment clairement réagir là. Hein. Ils ont perdu encore ce week-end. Face à Pau sur une bêtise, alors je l'ai pas vu moi, je l'ai juste entendu, j'ai juste vu une explication pas mal ça. Nakaita, si on a pas mal fait un. Mais regardez Cocotte, c'est quoi cette vitesse il. Allez, on tente de faire des crochets, parce que je préfère tenter des crochets quand je peux que des. Allez, c'est pas mal ça. Allez, Kaiser, boum. Ouais, ils ont perdu sur une bêtise d'un. D'un abruti hein, comme il y en a dans le rugby, c'est comme ça. Et donc ouais, il y a un abruti qui a fait foutu une gifle à un Palois qui a donné la pénalité de la gagne sur la dernière action. Voilà comment Clermont a perdu encore un match du top 14 et se retrouve bah, toujours pas dans les 6 et petit à petit bah, tu te dis ouais c'est Clermont, ça va revenir. Mais attention, parce que les autres équipes aussi, elles savent gagner quelques matchs. Et après, quand si t'es plus maître de ton destin, ben, tu rigoles au moins. Parce que il y aura quand même toujours des matchs difficiles quand il faudra aller à l'extérieur du côté de Toulon, de. Je sais pas, je dis ça comme ça. De Montpellier, de La Rochelle, etc. Ben, va falloir aller les chercher les victoires. Et ça semble compliqué. Donc après. Si tu ramènes pas de quelques victoires à l'extérieur comme à Pau qui semblait faisable, ben voilà. Après moi j'avais parié sur une victoire paloise, donc je me suis pas trompé, je suis content. Plus moi qui suis du sud-ouest, je suis plutôt content hein, de voir Pau gagner.
Allez, on va essayer de partir avec Parala. Je suis toujours pour les équipes du Sud contre les équipes du Nord. Mon petit côté sudiste. Ah là 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 là. Ah, merde. Ouais, donc bon, là moi je serais pour Castres, mais honnêtement, moi je vois vraiment Clermont réagir. Et clairement ils ont même... Ah, on explose le ballon. Je vois même honnêtement clairement ramener le bonus offensif. Ils en ont besoin là. Et ramener 5 points, ça leur ferait du bien. Allez, David Schwettel. L'anglais, on essaie de faire des zigzags dans la défense, mon père. La balle dans le surrec. En tout cas, ça va être un top 14 tendu pour ces 6 places. Ah, y en a deux, moi j'ai Montpellier et La Rochelle, elles ont vraiment... Après il y a le Racing aussi, Montpellier, c'est vrai que t'as quelques équipes, tu les vois vraiment dans les 6. Et après t'en as des grosses, comme Clermont ou Toulon, où tu les imagines difficilement hors des 6, mais tu te dis quand même méfiance, ben parce que c'est serré, que t'es jamais trop à l'abri à partir du moment où t'as perdu quelques matchs à domicile, etc. Et on va aller égaliser avec un bel essai de David Schwettel. Voilà, on réagit. On a du mal. Hein. Et c'est vrai que c'est vraiment différent comparé au match du rugby carrière où notre équipe elle est déjà pétée, etc. Et donc on écrase tout le monde parce qu'on affronte aussi pas des grosses équipes. Donc il faudra voir par la suite. Il faut la transformer là, hein, quand même. Voilà, Morgan Parra qui l'a transformé, on revient à 7 partout. Au bout d'une demi-heure de jeu, très bien. Bon, ça va mieux. Allez, eh bien, il faut attraper la balle. Hein. Eh bien, mais qu'est-ce qu'ils font? Oh là là, on perd la balle. C'est quand même... Enfin, je suis désolé, hein, ceux qui sont pro rugby 18 comparé à rugby challenge, mais... Il y a quand même encore un monde d'écart. Il y a encore un monde d'écart dans le jeu où... Vraiment, celui-là, il fait très old school dans les bugs, dans les trucs de... Mais aller jusqu'à l'essai, on ne dira rien. Allez. Eh bien, oh là là, on n'était pas loin de le récupérer. Boum, ça c'est un bon plaquage en avançant. On récupère la balle, est-ce qu'on ne tenterait pas la relance? C'est dangereux. Hein. C'est dangereux. Ah, faut pas perdre ce ballon, bon, ça va, on a gagné quelques mètres, donc c'est pas mal. Et avec Paramba, ah bah, de toute façon c'était la mi-temps, on a pris des risques un peu pour rien. Bon, à la mi-temps, 7 partout, on a eu chaud là, hein, sur ce mall qui sont arrêtés à 2 mètres de la ligne, heureusement pour nous. Voilà, c'est mieux quand on récupère directement le ballon, sauf que Fritz qui explose le ballon. Allez, Cocotte. Là on est tenté, nous, de faire des relances, je sais pas ce que vous en pensez. Surtout avec un David Schwettel qui est chaud patate. Allez, on essaie de reprendre de l'énergie pour remettre une accélération. C'est bizarre aussi ça de devoir garder un peu l'énergie, la vitesse, arrêter de sprinter, relancer le sprint. C'est pas comme ça le rugby quoi, c'est ça qui est bizarre. Mais bon, faut faire avec. Allez, hop, on tente le petit retour intérieur pour Fritz Lee. Ça passe pas. Voilà, ça va être difficile, mais bon, mais il s'est téléporté pour nous plaquer là, le talon castré. On va tenter de partir au bord du ruck avec Morgan Parra, mais le talon là il est énervé, il plaque dans tous les sens. On dirait notre joueur dans My Player, vous savez, quand on plaque dans tous les sens. Voilà, ça va être difficile, mais on fixe bien la défense. J'ai pas réussi à rafuter avec Nakaitasi. Va Maïna qui part, on a vu le trou. Allez, on trouve l'Amera. Quand on joue dans le camp castré, c'est déjà une bonne chose. Ah. Allez, para. C'est pas mal ça. Schwettel, il y a un trou là. Il y a un trou. Petit coup de pied à suivre et là, faut se jeter. Allez. Non. Mais oui, là, je le laisse taper. Je veux pas le plaquer parce que je préfère avoir une touche. Mais j'avais l'impression qu'on était devant pour aller aplatir, mais bon. Ça n'a pas marché les gars, dommage. Allez, c'est pas grave, on a quand même une bonne touche à l'entrée, plus qu'à l'entrée, à 15 mètres de l'embut castré. Mais qu'est-ce qu'il faut? Et la Mera qui se tourne les pouces pour ne pas être plus vulgaire. Allez, Nakaitasi, boum, et ça y est, il explose encore le... Non mais, non.
Non, monsieur l'arbitre, ça suffit, allez. Mais non, mais il casse le placard, tous les placages. Oh là là, on se retrouve dans notre camp. Allez, Strettel. Allez, Kaiser, on essaie de fixer. On va insister, même sens. Ah, trop tôt la passe. Trop tôt la passe, on n'a pas fixé. 62e minute, et toujours. Oh, il y a peut-être. Allez, Fofana, on retourne à Kaitasi. Ça va être difficile là. Ah, j'arrive pas à faire la passe. Vous voyez qu'on allait être à rattraper. Allez, fais ta passe, on n'arrive pas, mais il y a quand même toujours un problème de placement, et qu'on le veuille ou non, quand même, allez. Moi, je veux bien votre avis, hein, pour ceux qui ont les deux jeux, Rugby 18 et Rugby Challenge, si vous avez des préférences, une préférence, quoi. Parce que je trouve en fait que c'est beaucoup trop trop les mêmes actions, en fait, dans ce Rugby 18. Comparé à Rugby Challenge où tu as vraiment limite aucun match qui se ressemble, et c'est pour ça que j'ai proposé autant de matchs, autant de vidéos dans ce jeu. Et dans Rugby 18, je suis pas sûr de pouvoir faire ça parce que je trouve que ça se ressemble. Mais bon, ce n'est que mon avis. Allez, Nakaitasi. Allez, mais fais top. Ah, ça va être difficile. On garde le ballon parce que on est à la 75e minute, mais. C'est dangereux, est-ce qu'on fait. Ah, parce qu'en plus on recule plus qu'autre chose petit à petit. Allez, para. On insistera là pour l'instant. On fait para. On essaie de fixer la défense, mais ça marche pas bien. Ça marche pas bien du tout. Allez, Strettel. Mais. Et voilà, il explose le ballon au contact. Ah, puis là c'est parti pour. On a mis du. Je comprends pas. Il faut ne pas les laisser dans le truc, mais regardez comment ils avancent. Et il est jamais là dans notre cercle. Alors expliquez-moi pourquoi ils avancent là. C'est exactement ce principe. On a mis du monde dans le mall. Oh, il a cassé le plaquage. Il a cassé le plaquage et il gagne sur la dernière action. C'est une nouvelle défaite. Oh là là là, mais c'est la catastrophe. C'est vrai que. On aura galéré. Après, on aura raté quelques trucs, mais les molles, j'arrive pas à les défendre, et vraiment, c'est juste pas logique. On fait avec. J'espère que ça vous aura plu malgré tout cette petite vidéo. Moi, je vois une victoire à Clermontoise, clairement, je vois pas autrement. Combien d'équipes composent la première chip rugby? C'était dans 12. Ouais, je vois une victoire Clermontoise. Ils sont dos au mur, ils doivent gagner, voire moi, je vois limite une victoire bonifiée. Des castrés qui. On pas faire grand chose face à un Clermont très énervé et revanchard. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à vous de l'avoir regardé, en tout cas. Puis on se retrouve très vite, hein, pour d'autres vidéos, hein. Voilà, allez, ciao.